Hello YouTube, c'est Pouni. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Manchester United. Alors, la session précédente, nous avions fait un changement tactique. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que nous avons gagné contre Tottenham 3-0 et puis 4-1 face à l'Union Berlin en Ligue des Champions. C'est une très bonne question, je n'en sais rien. Par contre, je me demande si on va pas se mettre autrement dans les matchs parce que ça fait que 2 matchs par session et ça fait peu, je trouve. Donc là, nous avons directement le 7. Donc là, maintenant, tout de suite, les Wolves. On verra si on doit faire tourner ou pas. De toute façon, si on doit faire tourner, on fera tourner. On n'a pas le choix. Après, bon, il y a apparemment Harry Maguire. 14 millions. On l'accepte de suite. Parce que... D'ailleurs, je vais le noter pour être sûr de ne pas l'oublier. Maguire, c'est 1 million 01. De salaire. En moins. Et ça, c'est beaucoup. Voilà, voilà. Ça me ferait vachement plaisir. C'est qui a fait une offre? Tottenham. Ouais, il va prendre 10%. Ça, je dois bien avouer que je m'en cogne un petit peu. Tu m'étonnes. C'est bien attaquant complet, attaque. Ah oui, il n'est pas attaquant complet, lui, à la base. Je vais faire jouer. Faisons pas les débiles. Alors, les Wolves qui sont 15e, nous sommes à l'extérieur. Encourager, ça me va. Alors pour l'instant, nous sommes 5e. Chelsea 3-0. Ouais, mais Chelsea avec l'équipe qu'ils ont dans FM, ça doit être n'importe quoi. C'est un peu ce que j'expliquais, c'est que je pense qu'on va avoir du mal face à certaines équipes parce que financièrement on n'est pas aussi fort que Chelsea ni City, et dans ce jeu c'est ultra important parce que est-ce qu'on arrivera à passer au-dessus d'eux, je n'en sais rien. On va remettre Wan-Bissaka, là on va remettre Luke Shaw. Ça dit quoi? Rashford prêt, Sancho, je vais remettre Garnacho. Anthony, ça va. Eriksen est fatigué, on va mettre Mount. Fernandez, ça va. Casemiro, ça va. Luke Shaw, ça va. Et Martinez, Varane. Ouais, c'est parfait.
Love, Van de Beek. Et nous allons y aller comme ceci. Bah, comme les matchs précédents, de toute façon. C'est mes deux Dawson, Kilman, Johnny, Lemina, João Gomez, Neto, Cunha, Wang Yi-Chan, connais pas, et Kalajdzic. Bon, ils sont pas sur une super forme, donc avec un peu de chance, par contre j'aimerais me remettre un moment clé. C'est Médo, calme-toi. Merci. Merci Garnacho de le calmer là, parce que. Je vois qu'il s'enflamme là, à un moment donné. Oh, Rashford, joli. Joli, joli. Splendide but de Mason Mount. Splendide but. Hop, Anthony, tac, Rashford. Ah, joli Rashford, vraiment. La petite remise de la tête de Garnacho pour Mount, là, parfait. Parfait, parfait, parfait. Pourquoi il est agressif? Calme-toi, mon grand. Allez, Rashford, 2-0-2. Qui a eu mettre son petit pied là. Faisons pas les cons. J'en vois beaucoup qui mettent dans leur tactique. Oh. Oh, l'erreur du gardien. Oh. Oh mon Dieu. Donc j'allais dire, j'en vois beaucoup qui mettent dans leur tactique, c'est ouf. Engagez-vous plus. Il n'y a rien à faire, moi je suis pas fan. Moi je l'ai pas et déjà moi j'ai déjà fait deux pénaltys quoi. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont quand même 3 occasions, 5 pour moi. Ah, par contre, on a la possession. Oui, ah, dommage. Un peu long pour Rashford là. Mais moi, je peux te dire, si je suis l'entraîneur des Wolves, José ça. Là, j'ai pas compris là. C'est passé quoi hein? Oh Onana! Là c'est Onana, hein. Il bouge pas. Hein. Après ça vient de tout près, mais quand même. Oh non, vous êtes sérieux? Oh sérieux quoi!
Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, quoi. Ah, ça me rend fou. À la limite, le premier, bon, bah voilà, c'est une erreur du gardien, ça vient de fort près, machin. Mais le penalty, quoi, allez. C'est frustrant. Perdre ne me dérange pas, quoi, mais pas comme ça. Concentrez-vous, bordel. Varane il est déjà décédé, lui. Ce qui me gaffe, c'est que c'est un peu le seul défenseur central chez moi qui est bon aujourd'hui, donc bon. J'ai pas Pédistri, je crois. Fernandez aussi est fatigué. Je vais le laisser. Et pas de sale blague, s'il vous plaît, quoi. Faut gagner ce match, tu peux pas faire 3-0 et venir perdre des points ici, quoi. Tu dois gagner, je suis désolé. Bon, c'est une victoire. Quand même lui dire qu'il a pas été ouf. Bon, ça va, on revient dans un. Je suis désolé, hein. Ouf, c'est Arsenal dans 8e Arsenal. C'est Arsenal dans 2 semaines. Hannibal 6, 7, fils. Ouais, je sais pas, il est pas ouf, hein. Puis ils descendent partout, bizarrement. Il a 17 en déter, c'est quoi le délire? On est quatrième. On est quatrième, on n'est qu'à 2 points du premier. Par contre, Arsenal, il commence à être un peu.
Mais bon, sur un match, tout peut se jouer. On sait jamais. Du physique vu qu'il n'y a pas de match. Qu'il faudra que je trouve. C'est un vrai descendant. Après, mais Luke Shaw, j'ai pas envie. J'ai envie que ce soit un défenseur gauche, lui, quand même. En plus, il fait qu'un mètre 80, donc. Et Johnny Evans, je n'en parle même plus parce que je ne compte pas sur lui. Donc je pense qu'il va me falloir un défenseur central gaucher, il n'y a rien à faire. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Ah oui, c'était pour ça. Je suis toujours en ça, ok. Sven Botman, qui n'est pas à vendre, hein. De toute façon, le prix, c'est n'importe quoi. Ouais, puis la vitesse, c'est pas ouf. Arthur Théâtre, c'est vite cher aussi. Et en plus de ça, il a pas la vitesse non plus. Enfin. Incapi, c'est beaucoup trop cher. Pavlovitch, 22 ans. Ce serait possible d'avoir des de défenseurs centraux rapides ou c'est pas possible? Il a 10 en passe, 8 en dribble. C'est clairement un défenseur central défense, on est bien d'accord. Schlotterberg, c'est trop cher. Lui, c'est pas assez rapide. Par contre, c'est grand. Carrément, ça c'est réglé. Ce que je ne faudrait déjà que je. Si je pouvais mettre déjà genre vitesse 15. Oublie que je vais avoir 14 millions de la vente de machin, donc ça me ferait 27 millions.
Ito, il est en C-. Pourquoi il est en C, Ito? Il fait 1,88 m. Kiwior. Facundo Medina de Lens. On va l'observer. Maxime Estève, on va l'observer. Joueur qui est plutôt bien noté souvent dans les FM. Mateus Reis. 84. Tyrone Mings. Mais il a déjà 30 ans, Tyrone Mings. Je l'observais, mais il a déjà 30 ans, bof. Un Anglais de Newcastle, mais il a 31 ans. Ensoki. Fait 1,84 m. De Majorque, on va l'observer. Clément Langlais, même pas en rêve. On va déjà voir avec ça. En Angleterre. Ah, Yazer à ce prix-là. D'ailleurs, à ce prix-là, il est pas cher. Pardon. Promis, pardon. Alors, lui, il a les deux pieds. Il m'obsède chaque année. Je l'ai jamais acheté, je crois. Observé par qui, lui? Arsenal, Chelsea, Everton. Je vais ajouter Alex à la scène indéfiniment et je vais faire rapport jusqu'à reconnaissance parfaite. Parce que lui, et il est pas cher du tout. Combien il est en déter, lui? Ah, c'est dommage, je le dis en déter, mais bon. Evan Ferguson, 102 millions. Tout le reste, c'est ingérable niveau prix pour le moment. Ah, la 10-12, mais James Justin, 25 ans. Il a les deux pieds. Mais j'ai ce qu'il faut de ce côté-là, donc ça ne m'intéresse pas. Liam Gibbs. Il a 20 ans, 13 de détermination, il est comme un homme de jeu très soutien, Metzala. Il n'a pas de placement, ça m'embête beaucoup. Metzala, il n'y a pas de tir devant ça. Ouais, ça me semble un peu léger malheureusement. Chaudbury. Ah, c'est un milieu défensif. Oh, il a une tête, lui, il me fait trop rire. Vraiment, il me fait trop rire. Par contre, il est pas mauvais du tout. Après, mon problème, c'est que si je continue avec un milieu récupérateur. Ah, là, j'ai milieu récupérateur. Il est milieu récupérateur. Ouais, il a déjà 26 ans, non, ça me semble trop. Ça me semble trop léger.
l'Italie. Y a pas moyen de mettre par truc de transfert, c'est chiant ça. Abraham, j'en ai pas besoin. Dodo, 24 ans. Devrait être absent. Oui, non, il n'a pas forcément de blessure grave. C'est parce qu'il a une blessure grave. Combien de temps? Ouais, 6 à 7 mois, je vais même pas regarder pour le moment. Nicolo Casale. Qu'est-ce que ça? Ils n'ont pas l'intention de le vendre. Lui, défenseur central, pied droit. Ouais, non. On regarde un petit peu, hein. Bissek, Jan Aurel Bissek, un Allemand, aussi défenseur central, 14 de vitesse. Agressivité, concentration, ça me semble. Adli, c'est non. Eduardo Bové. J'avais déjà regardé, lui, il me semble. C'est un milieu récup. Est-ce qu'un milieu axial attaque? Ben oui. En vrai, oui. Sauf le tir de loin. Mais bon, ça se travaille. L'ajouter à la sélection. Ils sont pas chers les Italiens. 30 ans, 29 ans. Non, 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 avec les U21 si tu veux. Harry Amas. Ouais, mais il a 6 de déter le garçon. Comme il met nous c'est fait. C'est quoi ça? Joueur à grand potentiel, ok. Ça je fais pas parce que souvent quand tu le fais ils sont pas contents. À gros potentiel, le gars a 2 étoiles de potentiel. Vous êtes sérieux ou c'est moi qui pète les plombs? En Ligue 1, non. J'ai rien contre la Ligue 1, mais là, il n'y avait rien de. Que je regarde un autre truc. S'il veut bien se dépêcher, je vais regarder un autre truc. Staff. Il est motivé. Lui, je l'aime beaucoup. Il faudrait que je regarde. Il faut entraînement, évaluation, entraînement des jeunes, évaluation joueur et évaluation du potentiel. En fait, je suis con. Je vais taper 20 en sachant très bien que.
Est-ce que j'aurais voulu... C'est dans quoi ça? C'est dans... J'aurais voulu un citoyen modèle. C'est où? Voir ça après, on va déjà confirmer ça. Alors c'est qui ça? Ito. Sélection, hop. Ensoki, sélection, ok. Voilà, après on va vite aller jusqu'à Arsenal faire le match parce qu'on a encore fait zéro match, mais bon, on est aussi là pour ça. Exprimez-moi son inquiétude. Est-ce que je pourrais connaître ton inquiétude? Mécontent de la causerie très sévère contre... Oui, t'es encore là avec ça? Depuis, c'est bon, hein, j'ai fait mieux, non? Normalement, c'est un truc qui ne devrait pas trop rester. Dis bien normalement.